Présentation de visiteurs. Dernier appel pour les présentations de visiteurs. Déclaration de député. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici pour rendre hommage à Monsieur Bill Blair, qui est le chef de la police de Toronto et qui prend sa retraite aujourd'hui après une carrière de 10 ans. Ça a été une carrière vraiment couronnée de succès. Il s'est attaqué à tous les problèmes importants auxquels est confrontée la police. C'est quelqu'un qui voit vraiment les choses au niveau des policiers eux-mêmes, parce qu'il a monté lui-même dans la hiérarchie de manière progressive au cours de sa carrière. Il a travaillé au début au centre de la ville de Toronto il y a 10 ans. Je pense que c'est un centre-ville qui a bien changé depuis. Et il a travaillé, par exemple, dans le secteur du crime organisé, des drogues, du trafic de drogue et de l'application des lois sur les drogues. Donc ce sont vraiment des domaines très importants et très difficiles du travail de policier, et il y a travaillé de manière active. Il a vraiment essayé de combattre les crimes violents autant qu'il le pouvait, et en tant que chef de la police, il a beaucoup contribué à la sécurité dans la ville de Toronto. Il était membre de nombre d'associations caritatives telles que Covenant House et United Way. Et il est allé avec moi à l'Université de Toronto. Je pense que ce n'était pas exactement la même époque et nous n'avons pas non plus suivi les mêmes cours. Il a étudié l'économie et la criminologie. Et je suis vraiment tout à fait fière de dire que j'ai partagé la même université que lui. Et maintenant, le chef Blair va prendre sa retraite en tant que policier, mais il va en fait être chargé de cours à l'Université de Toronto. Et donc je suis tout à fait fière de lui rendre hommage. Et j'aimerais demander à tous les députés de cette Assemblée de le féliciter de cette carrière couronnée de succès. Merci beaucoup. Merci, le député de Bramley-Gore-Malton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous ai présenté la présidente de l'organisme canadien d'aide aux patients souffrant de méningite. Et il y a quelques temps déjà, j'ai présenté devant cette Chambre un projet de loi destiné à faire du 24 avril le jour de la sensibilisation à la méningite. Et je suis heureux de voir que ce projet de loi a été représenté. Et donc, vraiment, c'est important de dire aux gens à quel point la méningite est une maladie dangereuse qui touche de nombreuses personnes. Et il faut absolument vraiment sensibiliser les gens davantage à cette maladie. C'est une maladie qui peut apparaître de manière soudaine et parce qu'elle a beaucoup de points communs avec la grippe, c'est très difficile de la détecter. Et c'est vraiment très difficile de la détecter et de la traiter. Et c'est plus facile, bien sûr, de la traiter si les gens sont conscients de ces dangers et de ces symptômes. Et il y a à peu près 1000 personnes dans notre province qui meurent chaque année de méningite, malheureusement. Et il faut vraiment s'assurer que ce jour de la méningite, le 24 avril, soit mis en place afin qu'il y ait davantage d'initiatives de sensibilisation qui soient mises en place pour nous assurer que moins de personnes décèdent des suites de cette maladie dévastatrice. Merci. Donc, j'aimerais encourager le fait que l'on nomme le 24 avril le jour de la méningite. Merci. La députée de Scarborough Agent College, je suis fière de me lever pour parler de la semaine de reconnaissance et de sensibilisation au nom d'organes et de tissus. Je suis vraiment très heureuse de vous dire que l'hôpital de Scarborough fait un travail très important en la matière et c'est vraiment important de savoir qu'un seul don d'organes peut aider de nombreuses personnes parce que cela aide non seulement le malade mais également sa famille. Et tous les 3 jours, un malade meurt sur les listes d'attente d'organes et de tissus, malheureusement. Et donc, malheureusement, il n'y a que 11% de mes concitoyens à Scarborough qui
qui se sont inscrits comme donneurs d'organes. Et donc, vraiment, il y a de nombreuses personnes qui ont été bénéficiaires de ces dons d'organes qui essayent vraiment de nous sensibiliser tous à ce problème important, comme par exemple un de mes concitoyens qui s'appelle Mohan. Cela ne prend que 2 minutes de devenir donneur d'organes et de tissus. Et je vous encourage à vous rendre sur le site web de ce nom, beadonor.ca, parce qu'un seul don d'organes peut faire la différence dans tellement de vies. Merci, le député de Leeds-Grenville, pour une déclaration. Merci. Je suis ici pour vraiment féliciter la ville de Gwananoque, qui a été reconnue comme étant une ville attentive aux enfants et aux jeunes. Et cette reconnaissance est venue à cette ville grâce au travail de 7 élèves qui ont travaillé à vraiment améliorer la situation dans la ville, mais tout d'abord, ce qu'ils ont fait, c'est de mener des sondages et de rencontrer les élus au niveau municipal. Et c'est vraiment important de voir à quel point ils ont travaillé dur à cet égard, et ils ont reçu un prix, une médaille de bronze, en reconnaissance de leurs efforts. Et donc, ceci vraiment reconnaît le fait que Gwananoque est une ville attentive aux familles et aux jeunes, ainsi qu'aux enfants, et qui leur offre des services appropriés. Donc, j'aimerais vraiment remercier ces élèves de leur travail acharné, parce que Gwananoque, grâce à leurs efforts, est une des 5 villes qui a reçu une telle distinction cette année. Et donc, Jill Kellogg, Brie Lackey, Sydney Albertson et Chelsea Highcamp. Merci à vous et merci à la ville de Gwananoque pour tous ces efforts et félicitations encore à la ville de Gwananoque. Merci beaucoup. Et la députée de Anjouan. C'est toujours un privilège de me lever et de parler dans cette assemblée. Et aujourd'hui, je suis tout à fait heureuse de pouvoir parler français devant cette assemblée, parce que Anjouan est devenue une ville qui a été désignée au terme des services en français. Connaître et de célébrer notre désignation en vertu de la loi sur les services en français. Je suis honorée de faire partie du processus et d'avoir la chance d'apporter mon soutien à tous ceux et celles qui entendent lutter pour cette désignation. Tous les Ontariens et Ontariennes méritent l'égalité d'accès aux services publics et ceci est une étape importante dans cette direction pour Oshawa. Ça a été un voyage long et ardu pour notre communauté francophone grandissante et je suis heureuse de voir que leur engagement va finalement être reconnu. La présente désignation n'est pas pour l'ensemble de la région, mais c'est tout de même un grand pas dans la bonne direction. Merci, Monsieur le Président, et je veux dire félicitations à notre communauté francophone. I think this is... Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Je suis heureuse de me lever pour parler de la journée du cœur en santé. C'est une chose qui a été organisée par le docteur Pandy, qui travaille au centre de soins cardiaques de l'hôpital principal de ma circonscription. Et donc, il y a vraiment de grandes initiatives qui ont été organisées, comme par exemple la marche pour les survivants de ces problèmes cardiaques. Et il y a eu, par exemple, cet événement principal qui a eu lieu à l'école Saint-Bénédicte. Et le docteur McLaury a parlé des avantages d'être en bonne forme physique. Et donc, on a parlé vraiment, par exemple, des modes de vie sains et de leur importance. Et il s'agit, par exemple, de mettre en place des mesures de prévention telles que le yoga ou l'exercice régulier pour améliorer la santé cardiaque des Ontariens et prévenir les problèmes cardiaques.
Et donc, ce médecin est un pionnier en la matière et ses deux enfants se sont exprimés lors d'un gala sur ce thème en 2015, en janvier, concernant justement tous ces problèmes et les solutions y apportées. Donc, j'aimerais vraiment remercier le Dr Pandy et toute sa famille de s'être dévouée pour la santé cardiaque des étudiants et des Ontariens. Merci, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Hier, j'ai eu l'occasion rare de voir ce qui se passe lorsqu'un gouvernement décide d'équilibrer ses comptes. Alors, nous savons très bien que Justin Trudeau dit toujours que le budget va s'équilibrer tout seul, mais les conservateurs se retroussent les manches et font ce qu'il faut pour équilibrer ce budget. Alors, depuis que les libéraux sont au pouvoir et depuis que nous sommes devenus une province démunie, 14 milliards de dollars nous ont été transférés par Ottawa. Et malheureusement, ça n'a pas arrangé la situation de l'Ontario. Et nous en sommes à un déficit de 68 % qui est supérieur à celui de toutes les autres provinces et territoires combinés. Donc les budgets, malheureusement, ne s'équilibrent pas tout seuls. Et cela fait déjà plus de 10 ans que les libéraux nous mettent en mauvaise situation financière. Et malheureusement, on n'en voit pas la fin. Regardez ces factures exorbitantes que les familles ont du mal à payer. La vente de Hydro One. Et nous avons également, malheureusement, eu de nombreuses compressions qu'ont subies les familles. Donc c'est vraiment un gros problème et il faut absolument rendre hommage à Jim Flaherty pour les mesures qu'il a prises. Et donc, les Ontariens peuvent se consoler du fait que le gouvernement fédéral est celui qui va s'occuper d'eux, parce que sur la colline parlementaire, eh bien, on va équilibrer le budget. Merci. Déclaration de député, le député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir un nombre de festivals dans ma circonscription. Je suis à court de patience concernant les déclarations. Vous êtes censé parler de votre circonscription et de vos collectivités. Et je vais le dire maintenant, et vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de vous interrompre les uns les autres pendant les déclarations. Merci. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique de vivre dans une collectivité historique telle que celle de Durham. On va avoir la fête de l'érable bientôt, cette fin de semaine, et c'est vraiment typiquement canadien comme fête. Et ceci va permettre aux agriculteurs de rencontrer les collectivités et d'encourager les résidents de Durham d'acheter local. Et donc, je vous encourage tous à vous rendre à Bowmanville pour profiter d'un petit déjeuner qui sera composé de pancakes à l'érable, au sirop d'érable. Et vraiment, je vous encourage à vous rendre dans ma circonscription. Et ça va commencer à 9 heures exactement du matin. Merci. Le député de Glengarry Prescott Russell. Alors, j'ai travaillé dans la construction pendant très longtemps, ce qui fait que cette déclaration me concerne directement. Alors, le secteur agricole est bien sûr très, très important pour notre province. Il nourrit les Ontariens, mais également notre pays et le monde entier. Et donc, le secteur agroalimentaire permet la distribution d'aliments, et cela représente à peu près 158 000 emplois. Oui, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Et donc, il y a la fertilisation des terres avec des suppléments et des engrais qui a lieu. Et cela permet donc de minimiser les impacts sur l'environnement parce qu'on prend une... On adopte une approche prudente en la matière. Donc, il y a l'association des engrais, par exemple, canadiens, qui s'assure que l'on n'ait pas d'impact nocif sur l'environnement lorsque l'on fertilise les terres avec des engrais, par exemple. Et donc, il faut absolument appliquer 4 principes directeurs, comme par exemple le bon engrais au bon moment, au bon endroit, sur les bonnes récoltes. Donc, c'est vraiment tout à fait important que les secteurs des engrais
soit conscient de ces impacts sur l'environnement et travaille à les minimiser. Donc c'est tout à fait important de voir que ce secteur a reçu de nombreuses reconnaissances et on lui a décerné de nombreux prix. Et il faut donc s'assurer que notre impact sur l'environnement soit minimal. Merci.